et messieurs, ladies and gentlemen, enfants de 12 âges, les frères Huntington sont heureux de vous présenter le plus merveilleux spectacle de l'univers, que dis-je, de la galaxie. Bienvenue, Horatio P. Huntington, le spectacle le plus beau se tient ici. Bienvenue, une humble et sincère bienvenue à la grande et glorieuse récompense que je suis. Du danger en l'air, en racine, même zampis, moto, fil de feriste, trapèze et ce qui s'ensuit. Donc bienvenue au grand frisson et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est Bibi. Ravi de me rencontrer. Tout le plaisir est pour vous. Bienvenue, une modeste bienvenue à l'excitation que vous venez chercher. Bienvenue, une séduisante bienvenue. Admirez chaque déclaration que je fais. Avec des jongleurs tout autour, Chesterfield de clown, des acrobates chinois venus de loin. Alors bienvenue, par tous les saints, bienvenue, regardez tous ces plaisirs, quel festin. Oh, et très sincèrement, vous n'aurez jamais moi. Dans l'intérêt du décorum, je dois résister quand je performe. Personne ne devrait se faire trousser. Entre nous, je dois confesser que je me dois déclarer que ma majesté approche le dodo. Je dis bienvenue, acceptez notre accueil glorieux vers notre buffet de délices pour les yeux. Nous offrons rien que pour vous, un gracieux comment allez-vous de la part de moi-même. Et je... Horatio P. Huntington, l'un des deux fondateurs du célèbre cirque des frères Huntington. Lequel des deux, je vous laisse deviner. Et ça, là, c'est moi. Non, le plus beau des deux. Oh, vas-y doucement, Chesterfield. Mais pourquoi? C'est gratuit, non? Tu entends ces gens, petit frère? Je vais devenir riche comme Rockefeller. Non, deux fois plus que lui. Toi aussi, tu auras ta part, petit frère. Une part un peu plus petite que la mienne, évidemment. Ah, Horatio, tu sais que je me fiche de l'argent. Tout ce que c'est le bonheur du public, je sais. Et c'est pour ça que je t'aime. Voici Buffalo Bob Huntington, le frère préféré de tous, le cœur et l'âme du cirque. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Huntington. Oh, salut, Esmeralda. Est-ce que tout va bien? Oh oui, mais mieux que bien. J'ai abandonné ma cabane de diseuse de bonne aventure pour vous présenter ma sublime nièce venue du vieux continent. Je me disais que peut-être vous pourriez lui trouver du travail. Quoi? Oh, on le ferait. Non, on le pouvait, mais plus ce que je veux dire, c'est que en ce moment... Elle est engagée. Je promets de ne pas vous causer d'ennui, monsieur. C'est une vraie beauté, n'est-ce pas? C'est pas ma nièce pour rien. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, pas vrai? Tomber loin de l'arbre? Madame, ce fruit-là ne tombe pas. Il se cueille avec délicatesse. Oh, quel séducteur! Jusque-là, tout allait pour le mieux entre Bob et Horatio. Mais vous savez ce qu'on dit des bonnes choses. Elles ont toutes une fin. Do you remember when, not so long ago, all we had was time? And the future was the last thing on our mind. What a time. Now here we are. Accroche-toi bien.
Talia et moi, il faut qu'on t'annonce une grande nouvelle. On s'est séparés. On s'est mariés. Hein? Quoi? Oh, c'est une bénédiction. J'aime l'amour. C'est très romantique, non? Non. Ça suffit. Je n'aurais pas dû laisser ce petit jeu durer si longtemps, mon frère. Cette fille est toxique et dangereuse. D'accord. Tu dis n'importe quoi. Manifestement, tu n'as pas les idées claires. Au contraire. Tout est parfaitement clair, Robert. Je m'oppose à ce mariage. Un point, c'est tout. Horatio? T'es pas sérieux? Je suis extrêmement sérieux. Mais j'aime Talia. À toi de choisir. Soit elle s'en va, soit je m'en vais. Prends ta décision, petit frère. Ah, mon Dieu, je me demande ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Le suspense est insoutenable. Longue vie aux mariés. Homme canon. Goûteux. T'en veux? Tu devrais peut-être ralentir un peu sur le sucre, Chesterfield. Regarde ton costume. Tu as l'air tout boudiné là-dedans. Ah, avec mon métabolisme, je pourrais avaler un éléphant au chocolat sans prendre un gramme. Homme canon. Excuse-moi, désolé. Esmeralda a un petit cadeau pour les jeunes mariés. Un cadeau pour nous? Elle vient du mont Everest. Je l'ai arrangé par là. Où il est? Oh, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Oh, et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une boîte spéciale. C'est une boîte magique. La vieille femme ne plaisantait pas. Cette petite boîte en bois était vraiment magique. Pendant 30 ans, les extraordinaires merveilleux animaux de Buffalo Bob ont été le plus grand spectacle de l'univers. Et le plus grand fan du spectacle était ce gamin. Regardez-le. Owen, le neveu de Bob. Il a quasiment poussé ici, assis au premier rang. Et il n'est pas le seul. Wow, on est au premier rang. Oh, merci. Je veux ce qu'il y a de mieux pour ma petite Zoé. Et voilà, je savais que ça finirait par arriver. Je vois plus mes pieds. Oh, désolé, hot dog. Je crains que toi et moi... Attends une seconde. Problème résolu. Sois pas timide, dis-lui quelque chose. Salut, je m'appelle... Je m'appelle Zoé. Et moi, Owen. Ne les encouragez pas. Ça, c'est le souci avec les clowns. Ça peut pas s'empêcher de faire le clown. Les années ont passé. Bob et Talia sont tombés amoureux sous ce chapiteau, mais ils n'ont pas été les seuls. Ta-da! Qu'est-ce que... Zoé? Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Un poète pour un oui. Non. Pardon, désolé. Homme canon.
Nous deux, Huntington. J'ai été contre cette idée depuis le jour de votre rencontre. Zoé est une jeune fille issue d'une famille respectable. Tandis que toi, tu viens de... Tiens, tire sur mon doigt. Ça. À la décharge de Chesterfield, c'est un clown. Eh ben moi, je refuse de voir ma fille perdre son temps à faire le clown dans un cirque. C'est une jeune femme brillante qui reprendra un jour les rênes de mon entreprise. Oui, c'est ça. Et si c'était toi qui venais travailler pour moi? Quoi? Dans votre usine de biscuits pour chiens? Oh non, vous étiez sérieux? Oui, très. Hey, grande nouvelle. Je vais quitter le cirque. Je vais aller travailler pour ton père dans son usine de biscuits pour chiens. Quoi? Pourquoi? Fais pas attention à mon père. Tu adores ce cirque. Ça va aller, tu verras. Ce sera la meilleure décision de toute ma vie. Ce fut la pire décision de toute sa vie. Coucou chérie, j'ai une réunion dans 5 minutes. Tu peux récupérer Mackenzie à la garderie? Oui, bien sûr chérie. T'es le meilleur. Owen, Zoé. Salut Binkley. C'est prêt. Tu es sûre? Je crois que j'ai enfin trouvé les bons réglages. C'est vrai? J'en suis sûre, je le sens. Chérie, tu sais que si ça fonctionne, ton père va arrêter de me détester et il va commencer Owen, à m'aimer. Arrête de dire ça, tu es son genre. Il me fait manger ses biscuits. Il t'aime beaucoup. Des biscuits pour chiens. Des biscuits pour chiens, le message est clair, non? Mon travail, c'est de goûter des biscuits pour chiens. Mais ça pourrait être ma porte de sortie. Notre porte de sortie? Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est quoi? Rien qu'une machine merveilleuse. Regarde. Ton mari a eu, comme qui dirait, une idée de génie. Les chiens aiment la nourriture humaine. Comme la pizza. Les hamburgers. Le pot-au-feu. Donc, il faudrait arriver à mettre tous ces goûts dans les biscuits. Goût frites. Macaroni. Cookies au chocolat. Sushi. Tout ce dont tu rêves. De la copa italienne. Attends, c'est toi qui as créé tout ça? Oui. Enfin, non, Binkley a fait beaucoup. Presque tout. C'est un génie. J'ai créé la machine, c'est tout. Waouh, 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 waouh. Ça peut marcher. Ça va marcher. Ça va pas marcher, ça va se cartonner. Me ferais-tu l'honneur d'y goûter? Oui, avec grand plaisir. Alors, quel goût ça? Tu aimes? Je trouve que ça a un goût de vinaigre. Un goût de vinaigre? Non, ça devrait être au cupcake. Et tous les fermentés. Quoi? C'est impossible, impossible. Owen, ton visage. Attends. Oh, pourquoi ton visage? Il y a un arrière-goût de vieille basque. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que tout ça arrive d'ailleurs. Je suis un effet là, regarde-moi. Aide-le, je t'en prie, Binkley. Je sais pas ce qu'il a. C'est fou ce que ça fait du bien de faire ça. C'est fou ce que ça sent mauvais de faire ça. Ça empeste, c'est vrai. Eh ben, celui-là, il ferait rougir un don qui rote. Brock, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher, tu es en retard pour la réunion avec ton père. Ça va, je le sais. Je l'ai prévenu que j'aurais un petit peu de retard. Est-ce que j'ai l'air d'un larbin? Oui. Mais un larbin beau gosse, super bien gaulé. Avec des cheveux soyeux, des biceps à tomber. Des lèvres parfaites et un magnifique regard. Attendez une seconde, c'était pas réglé comme ça hier quand je suis partie. Voilà, c'est rectifié. Et regardez-moi ces becs. Hein, regardez les bouger là. Regardez. Ça se fait qu'il est payé plus que moi. J'en ai aucune idée. Zoé, on a une réunion importante. Qu'est-ce que tu fais dans ce... Ah,
Ils ont l'air vivants. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Papa, Owen et Bickley travaillent tous les deux sur un projet incroyable pour toi. C'est une surprise. Tu sais bien que la seule surprise que j'apprécie, c'est ne pas être surprise. Ça, c'est vrai. Il déteste les surprises. Bickley est trop timide pour l'avouer, mais... elle est extrêmement brillante, tu sais. C'est un vrai génie. Super. En quoi ça m'aide à vendre des biscuits pour chiens? Donne-lui une chance. Ah. Alors? Je vous écoute. D'accord. Pour faire simple, Owen cherchait de nouvelles saveurs de biscuits et il m'a demandé de construire une machine qui reproduirait le goût de la nourriture humaine, vu que les chiens adorent ça. Et je me suis demandé si les chiens aiment vraiment la nourriture humaine ou s'ils l'aiment parce que nous, on l'aime. Ou alors, s'ils aiment manger la nourriture qu'on a dans notre assiette parce qu'ils se sentent mieux traités. En général, on leur fait une gratouille et ils font... Mais non, s'ils l'aiment, c'est parce qu'elle a bon goût. Alors évidemment, il y a la drôle de régime. Je te l'avais dit. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose à ce qu'elle raconte? Que dalle, monsieur. Donc, je n'ai plus qu'à actionner cette manette. Attendez, c'est quoi ce bruit? Ça va pas du tout. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je sais. Et tout, vite, j'ai le levier, s'il te plaît. J'arrive à rien, tout va exploser. Monsieur Woodley, sachez que je suis vraiment, vraiment... un cornichon incapable? Je pensais plutôt Non, t'allais dire que t'es un cornichon incapable, parce que c'est le cas. T'es qu'un cornichon incapable. J'étais un très grand sportif à la fac, vous savez. Une vraie star. Non, oh, je sais que c'est là quelque part. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le reconnaîtrai quand je le verrai. Je retournerai tout cet endroit s'il le faut, mais je le trouverai. Oh, où est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ça aurait dû être à moi. Elle aurait dû être à moi. Tout aurait dû être à moi. Non, inutile. Non, gentil toutou. Gentil toutou, bon chien. Vilain toutou, vilain toutou. Touchez, stop, au secours, aidez-moi. Touchez. Aïe, il s'attaque à mes fesses, il me mord les fesses. Ne jugez pas, il était en solde. N'avancez pas! Reculez! J'ai dit reculez! Laisse-moi tranquille! Méchant chien! Au secours! Au secours! Aïe! C'est moi qui hallucine ou ça sent subitement la... Zucchini! Zucchini! Vite, vite, vite! Accélère, Nabo idiot! De crier, c'est l'heure d'aller te coucher. Monte te préparer. J'en ai partout, mais pourquoi on est allé manger au restaurant? Oh, t'avais envie de cuisiner, toi, après une journée pareille? Non. Non. Mais j'aurais pu. J'en ai jusque dans l'oreille. Va donc prendre une douche, mon gros bébé. Ah, bah j'en ai ailleurs aussi. Pourquoi tu me dis ça? Je te tiens, petit singe. Allô? Oui? Quoi? Attends, comment? Owen? Oh, je... Oui, c'est noté. Merci. Oui, oui, on sera là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un incendie au cirque. Mon oncle Bob et ma tante Talia, ils sont morts. Thank you.
Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à nos chers amis Bob et Talia. Buffalo Bob Huntington était un homme exceptionnel, un artiste de scène unique qui aimait faire sourire les gens. Un homme qui pouvait roter tout l'alphabet d'une seule traite. Moi, je dois respirer 24 fois. Il m'a accueilli ici quand je n'étais qu'un jeune clown et il m'a appris tout ce que la je... La puce, là, éteins ce téléphone. Ça, par exemple. Ça. Et ça. Mais ça se fait pas. Encore. J'appelle ça le guilly mouillé dans le cornet. À ne pas confondre surtout avec le... Oh, crotte, pipi culotte. Situation très désagréable pour les chevaux, hein, seigneur le pipi culotte. C'est vieux comme le monde, mais c'est drôle. Ça suffit, trêve de plaisanterie. Ton oncle Bob et ta tante Talia avaient avant tout un grand cœur, le plus grand que j'ai jamais vu. Ils ont toujours été là pour leur famille. Gretchen, qui a payé ton épilation définitive quand tu as dû renoncer à contre-cœur à ton numéro de femme à barbe? Bob et Talia. Exactement. Et toi, l'homme canon, il y a 206 os dans le corps humain. Ce qui veut dire que Bob et Talia t'ont emmené à l'hôpital au moins 206 fois. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur leur amour et leur générosité? L'homme canon! Vous voyez, chacun de nous était de la famille de Bob et Talia. Et la famille... C'était tout pour eux. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur ce point, bedonnant petit clown. Horatio ? Mais tu n'étais pas... Invité aux obsèques de mon petit frère, certes, mais je suis là malgré cet oubli mystérieux. Aïe ! Robert, Buffalo, Bob, Huntington, ma moitié, mon frère de sang, a volé ce qui m'appartenait. Oui, il m'a pris mon héritage, mon amour... Et les 50 dernières années de ma vie. C'est pourquoi je suis venu récupérer ce qui me revient de droit. Par conséquent, et par le pouvoir qui m'est conféré par ces trois hommes et demi extrêmement dangereux, je déclare que ce cirque est désormais à moi. Quoi? Comment oses-tu? Il va de soi que ça inclut le secret des animaux. Où est-ce qu'il l'a caché? Tu l'as emporté dans la tombe, petit frère. C'était ça, ton plan? Non, ça j'en doute. Quoi? Stop, arrête! Sanson, Stabiel, Diablo, Zucchini, débarrassez-nous de cette racaille. Les grands Zucchini scrutent la salle à la recherche d'un adversaire digne de ses funestes talents. Il est fait pour l'amour, pas pour la guerre. Il fait chaud ici, non? Jongler avec des massues alors que j'ai des couteaux, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Jenny ne connaît pas la forêt. Le grand Zucchini doit apprendre à mieux choisir ses adversaires. Ouais, ouais. Je pense qu'on devrait... Sortir de là? Ouais. Carrément, on y va. Non, ça, ça m'étonnerait. Homme canon! Même les éloges funèbres sont excitants dans ta famille. Ah, ça, ils savent faire une bonne impression. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que c'est que ça, le bleu? C'est quoi?
Merci, c'est gentil, Mourant. L'homme canon ! A plus. Ah, un mystérieux paquet, voilà qui intrigue le grand Jekenny. Suis-les, espèce d'idiot ! Le contenu de ce paquet pourrait nous aider à découvrir le secret des animaux de mon frère. Jekenny constate avec surprise que son homme de main a eu une idée brillante. Ton homme de main, c'est moi qui t'ai embauché, petit nabon ridicule ! Je suis le patron ! Dis l'homme de main. Oh, fais ton boulot ou je te vire. C'est bien clair, microbe. Galvanisé par tant d'éloges sincères et d'encouragements, notre héros intrépide s'élance, seul et vaillant, à la poursuite de sa proie. Que la chasse commence. Lasagne, ça a vraiment le goût des lasagnes, j'ai réussi. Aucune tâche bizarre, pas de hoquet non plus. Wouhou, ça a vraiment marché. Oh, monsieur Woodley. Toujours en train d'essayer de retirer de son caleçon ta répugnante bouillie visqueuse. C'était pas ma faute, Brock. Quelqu'un a dû trafiquer les... Je viens d'imaginer monsieur Woodley en caleçon. Ah, c'est cadeau. Écoute-moi bien, gros bêta. Cette machine va révolutionner l'industrie du biscuit pour chien. Tu verras. Et pourquoi ça va tout changer? Parce qu'on va multiplier nos bénéfices par mille. Les chiffres vont s'envoler. Ils vont s'envoler. On peut pas faire voler un biscuit. Je le sais. J'ai déjà essayé. C'est impossible. Je n'abandonnerai pas. Je vais réussir. Je vais recommencer et prouver une bonne fois pour toutes qui je suis à monsieur Woody. Oh, si seulement j'avais le courage de lui dire. Ah, ça n'arrivera jamais. Tu vas te liquéfier. Tu te liquéfies toujours. On verra bien la prochaine fois. C'est ça, on verra bien la prochaine fois. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Trop, c'est trop, je t'ai assez vu, Brock. Je t'ai assez vu, Brock. Il me rend dingue. J'en peux plus de ce gros pâte-bouffe. Encore une seconde. Ça arrive. J'adore ce boulot. Alors, il y a quoi dans la boîte? Eh bien... Tiens, c'est bizarre. C'est quoi? De vieux biscuits en forme d'animaux. Des gâteaux? Non, c'est pas ce que tu aimes, bébé. Et ces gâteaux-là sont très très vieux. Et alors? Et alors, quand on mange de vieux gâteaux dégoûtants, on se transforme en monstre. Hein, c'est vrai, maman? C'est vrai. C'est vrai. Et tu deviendras... le gros macaron glouton. Non, c'est pas vrai. Oh, regarde, chérie. Oh, c'est adorable. C'est moi qui l'ai fait quand j'étais petit, l'été où on s'est rencontrés aussi. C'est vrai, je me souviens de ce dessin. Tu me l'avais même montré. Et moi qui croyais que j'avais du talent. Mais non. Regarde. Là, c'est toi, enfin, je crois. J'ai de beaux cheveux. Ça, ça doit être moi. Là, c'est une version extrêmement flatteuse maigre. De Chesterfield. Il est tout maigre. Là, c'est l'homme canon, fidèle à lui-même. Et oncle Bob et tante Talia. Ils étaient tous là. Je sais, je... Le petit singe a faim. C'est pas les biscuits que tu aimes. Et en plus, ils doivent être complètement rassis. Ils sont rassis. Hein. Ils sont rassis. Oh, mais je meurs de faim. Si tu as faim, on va trouver à manger. Je sais pas si j'ai de quoi. Regarde dans la coudoir, on sait jamais. Je regarde. Mais alors je crois... Sous les lunettes de soleil. J'ai rien à grignoter. Regarde sous les lunettes. Non, regarde, il y a un vendeur. Un vendeur de fruits. Un vendeur de fruits. Qui aime les bananes. J'aime manger. J'ai des pommes et des bananes. C'est meilleur que les cookies. Cookies, les pommes et des bananes. Oh, ben, c'est fou, ça. J'étais sûre de l'avoir éteint. En direct, non. Oh, Owen, non. C'est Binkley. Peu importe. Mais si, c'est important. C'est pas important. Si, peut-être. Vas-y, réponds. Mais si, c'est toi qui me le demande, hein, on est d'accord. Allez, viens, mon petit singe. Binkley, quoi de neuf? Je suis bleue. Oui, enfin, on dit verte, hein, mais on va y arriver. Non, c'est ma peau. Elle est devenue bleue. On dirait la Stromfette. Quoi? Je suis sûr que c'est Brock. Cet abruti bodybuildé sabote notre projet. Je
suis d'accord, mais le problème, c'est que Monsieur Woodley adore Brock. Oh, c'est quoi la solution? Binkley, t'es un génie de la mécanique. Tu vas trouver, tends-lui un piège, je sais pas. Tu sais quoi? Prends-le la main dans le sac. Mais il trouve toujours le moyen d'entrer ici, quoi que je fasse, je te jure. On dirait un ninja. C'est ça, un ninja. Brock est un gros patapouf bodybuilder ninja. T'es sûr qu'on parle du même Brock? Non, sérieux, c'est tout dans les muscles et rien dans la tête. C'est un imbécile, un abruti fini. Il a le QI d'une huître, je te jure. En fait, c'est lui. Le cornichon a un cas. Pâble. C'est pas vrai. Mackenzie, Marie, arrête de jouer avec le coffre, tu vas le casser. Tiens, le goûter du petit singe. Elle aime manger. Où est ton père? On doit y aller, sinon... C'est pas vrai. Une souris! Non, père, souris, arrête! Maman, oh ouais! Je sais pas! Une souris! Souris! Pour l'amour de Tom et Jerry, je t'en supplie, arrête de m'écrabouiller! Est-ce que... Cette souris... Oh, papa, t'es trop mignon! Merci, mon cœur. Oh ouais? Oui, Zoé, c'est ce que j'essayais de te dire. Aïe! Ton doigt est énorme. Quoi? Et comment? J'en sais rien. J'ai mangé un de ces petits trucs et... Tu as mangé un des gâteaux de ton oncle? J'ai mangé celui en forme de... Hamster. Oh non. Oh wow. Oh non. Oh wow. Oh non. Je sais même pas ce que ça mange, un hamster. Attends. Regarde. Owen. Tu ne dois surtout pas goûter ces gâteaux. Ah bah merci. Ce qui aurait été cool, ça aurait été de me le dire plus tôt. C'est pas fini. Avant d'avoir vu Chesterfield, va le voir au cirque, il t'expliquera tout en détail. Hein? Quoi? Je t'aime, ton oncle Bob. Accrochez-vous! On fonce au cirque! Le grand Zucchini a découvert le secret des animaux. Ouais, on va aussi. Faut vraiment qu'il fasse quelque chose pour ses nids de poules. Malgré ses blessures et ses lésions internes, le grand Zucchini poursuit sa traque. Et avance, c'est toujours quand t'es pressé que tu te retrouves derrière un camion pizza. C'est le mal du siècle. Quoi? Oh, pardon, t'étais sérieuse? Ah bah oui, très sérieuse. Ça t'arrive tout le temps? Tout le temps. Oui, ça m'étonnerait, car... Si je te le dis... T'es coincé derrière un camion. Wow. C'est systématique, je te dis. D'accord, tu t'en es convaincu? Oh oui, je suis archi convaincu. Chacun son point de vue, hein, parce que... Ah allô? Des biscuits! Quoi? Qui est à l'appareil? Le secret des animaux de Buffalo Bob, c'est d'être... C'est quoi? Ce que tu dis n'a ni queue ni tête! Des biscuits en forme d'animaux! Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce d'inculte? N'importe quoi! Comment des biscuits pourraient... Parce qu'ils sont magiques! Magiques? Magiques? C'est ridicule! Tu veux me faire croire que... Esmeralda... Rapporte-moi ces biscuits, Zucchini! Il me les faut à tout prix! Avance, je suis pressé! Mais regarde où tu vas, toi! Non! C'est toujours quand t'es pressé que tu te retrouves derrière un camion de pizza! Hein? C'est parti, Zucchini! Penseur, Kowabunga! Il défie les lois de la gravité, survole une à une les voitures qui l'entourent et atterrit en toute sécurité dans une maison. Et pourquoi ce qu'il est dans une maison? Pourquoi est-il en robe? Il ne s'explique pas non plus cette chose. Des cactus! Oh, yeah! Oh, yeah!
a une pièce pleine de cactus chez lui. Hé hey, baissez la vitre. Baissez la vitre. Oh, salut. Baissez la vitre. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. Et il était pas à la cérémonie pour ton oncle? Oui, il était avec mon oncle Horatio. Oh, attends, il m'a vu me transformer en hamster. Moi, il me fait peur. Et si on appelait la police? Oui, non, attends, j'ai une meilleure idée. Non. Ah si, si, je te jure. Owen, oh, non. Oh, tu vas adorer. Tu vas où, ah, là? Ça va être super drôle. Si et un peu flippant aussi. Ça va mal finir. Et... j'ai trouvé. Personne ne peut semer le grand Zucchini. Vas-y, accélère un peu et appuie sur le bouton de la porte. Du coffre. La porte du coffre. Le bouton du haillon arrière. C'est quoi ce truc-là? La grande porte. La grande porte arrière. C'est le bouton à c'est le freinage d'urgence. C'est le freinage d'urgence. 1, 2, 3, appuie. Papa Mia. Papa Mia. Le grand Zucchini a fait dans son portail. T'as vu ça? Est-ce que j'ai vu ça? Et toi, est-ce que tu t'es ça vu? Ça pète la classe, non? Non, pas du tout. Ah, c'est mieux qu'un hamster. Je suis énorme ici. Nounours à moi. Oh, le cirque est là. Elle serre trop fort. Papa a besoin de respirer, bébé. Papa peut plus respirer, bébé. Je ne besoin pas, bébé. Papa peut plus respirer. Quelqu'un n'a pas su résister aux gourmandises. Ça te dirait de retrouver ton apparence, Fozzie? Voyons voir. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu verras, il est forcément quelque part. Il n'est pas facile à trouver. C'est comme l'amour, Charlie, ou un bon resto chinois. Ha! Attends, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? En jean? En jean moulant. Moulant? C'est toi, oui, tout à fait. Dès que tu manges un biscuit en forme d'animal, un en forme d'humain apparaît dans la boîte. Il te suffit de le manger et tu redeviendras celui que tu étais. C'est pas génial, ça? Et il faut que je me mange moi. Regarde-moi, je suis Owen. Mon pantalon est rikiki, tout comme mon QI. Hey. C'est pour faire du cheval. Ce que tu peux devenir si tu manges celui-là. D'accord, tu peux me dire comment ça fonctionne? Qui sait? Une malédiction gitane de la farine d'acarien radioactif. De toute façon, on s'en fiche, c'est magique. C'est pour ça que la boîte ne se vide jamais. Ok, génial. Donc, je mange un gâteau en forme de moi et je... Allez, c'est bon, aval. C'est moi. Avec tes qualités et tes défauts. Et dans ton cas, beaucoup de défauts. Je trouve ça un poil vexant. J'ai mal interprété le moment, c'est ça? Oh, désolé. Il faut absolument veiller sur cette boîte, Owen. Ton oncle Horatio est prêt à tout pour mettre ses sales pattes dessus. Je sais qu'il ne reculera devant rien. Mesdames et messieurs, approchez, approchez. Venez assister aux prouesses du célèbre cracheur de feu, El Diablo. Attention! Force est de constater que nous sommes messieurs au creux de la vague. Le grand Zucchini est de retour! Réunion dans mon bureau tout de suite. Oh, qu'est-ce qui se sent si mauvais? Alors, dis-moi, tu n'as rien à me donner, là? Qu'est-ce que tu attends? Tout à fait! Bravo, ma... Je n'ai rien du tout. Aïe! Je suis à deux doigts, Mario, à deux doigts de reprendre ce qui aurait pu être à moi, ce qui aurait dû être à moi. Un cadeau, un incroyable cadeau, offert à un poney sans ambition. Mon frère, quel gâchis! Imagine tout ce que j'aurais pu accomplir avec, à quel point ma vie aurait pu être différente si c'est à moi qu'on avait fait ce cadeau.
toujours été adoré par ses amis et le monde entier. Oui, il était gentil et généreux. Oui, c'est ce que je hais. Il a eu gloire, fortune, et puis la fille. Celle que tu voulais. Tais-toi, il a gâché tout ce pouvoir. Et dès que j'y pense, j'en rage. Tu devrais essayer de tourner cette page. J'ai essayé, tu peux me croire. Mais il a tout, et moi je n'ai rien. Ça m'énerve au plus haut point. Ah, ça aurait pu être à moi, ça aurait dû être à moi. J'ai de multiples doctorats. Bob était en fac de clown. Une fac de clown, rien que ça. Ça aurait pu être à moi, ça aurait dû être à moi. Tu es d'accord, oui. J'avais de l'instinct animal. Mais il avait ses biscuits. Ça aurait dû être à moi. Tout aurait dû être à moi. La gloire. La fortune, cela même. J'aurais dû être plus grand qu'Elvis, avec la fortune d'un roi. Et tu es un de mes hommes de main préférés, et ce n'est pas rien. Non, idiot. Je suis pas ton homme de main, tu es le mien. Pour la millième fois à la courgette, répète à l'homme de main. Oh, j'aurais pu avoir des amis dans le cinéma, des stars, un jet privé. Ah, ma noix. Des voitures d'or de ça. Des voitures d'or de ça. Qu'est-ce que... Psh, pas d'harmonie. Non, merci. Ça aurait pu être à moi, ça aurait dû être à moi. Mon évidente destinée. Mais Bob a tout eu avec ce stupide chapeau et un cirque de fainéants nés. Ça aurait pu être à moi, ça aurait dû être à moi. C'est moi qui ai le pédigré. J'avais l'apparence et j'avais l'esprit. Mais il avait ses maudits biscuits. Qui aurait dû être à moi? Maintenant va-t'en, imbécile. Et ne reviens pas avant d'avoir trouvé ces biscuits. Et des vêtements qui ne sentent pas le crottin. Le grand Zucchini accepte de relever le défi que lui lance son homme de main. Oh, pour la dernière fois, minuscule factotum, c'est toi, mon homme de main. Qui l'homme de main du grand Zucchini? Oh, trouve ces biscuits et reviens, c'est tout. Oh. Samson, sors-nous d'ici en vitesse. Et trouve-moi un endroit avec de vrais clients qui paient. Oula. Oh, Samson ! Pépère, je voudrais tant que Bob et Talia soient ici avec nous. Je sais. Mais ils sont là, en quelque sorte. Ils sont avec nous. Oh, j'ai une question. Vous savez à quel point les clowns aiment faire des surprises? Oui. Ah bon, les clowns aiment faire des surprises maintenant. Vu que je suis un clown... Surprise! Tu es désormais l'heureux propriétaire d'un vieux cirque carbonisé et hors d'usage. Oula, attends, attends. Gwen, je trouve ça merveilleux. Ah bon, c'est merveilleux? Oui. Non mais regarde autour de toi, de quoi tu parles? Non, toi de quoi tu parles? Tu sais quoi? C'est toi qui devrais diriger le cirque. Moi? Diriger le cirque? Je suis un clown, je sais toucher un moustique sur les fesses d'un chameau à 10 mètres. J'ai appris à des générations entières à jouer à tir sur mon doigt. Mais je ne sais pas diriger un cirque. Qu'est-ce qui te fait croire que moi, oui? Est-ce que tu sais ce que je fais dans la vie? Je goûte des biscuits pour chiens. Zoé, je gère. Je goûte des biscuits pour chiens. Ils détestent ça. C'est pour les chiens. Tous les jours, ils me disent. Vu la situation, j'ai le droit de le dire tous les jours. Une petite seconde. Tu étais spécial, Owen. Ton oncle l'avait remarqué. On l'avait tous remarqué. Où est passé le petit garçon aux yeux écarquillés qui adorait venir au cirque? J'en sais rien. Il a grandi, certainement. Owen, c'est ce dont tu as toujours rêvé, chérie. Tu cherches à impressionner mon père, je le sais, mais tu n'y arriveras pas. Alors que ça, ça c'est le paradis pour toi. Ton avenir est ici, notre avenir est ici. Notre avenir? Quoi? Il n'y a aucun avenir, Zoé. Ce cirque, c'était avant tout Bob et Talia. Ils étaient l'âme de ce chapiteau.
Ils sont morts. La magie est... morte avec eux. Waouh. Je suis désolé. Tout ce qui faisait que ce cirque était un endroit spécial... est mort. Tu sais quoi? Je vais le faire. Quoi? Je vais le faire. Je vais quitter l'entreprise de mon père et reconstruire ce cirque comme Bob Italia l'aurait voulu. Est-ce que tu te rends compte? Non, tais-toi, dis rien. Non, c'est décidé. Zoé. Tais-toi. Non, Zoé, non, j'ai déjà le nez rouge. Non, je ne t'entends Zoé, plus. Zoé, tu vas pas reprendre un cirque. Tu vas reprendre la société de ton père. Ça, c'est un projet d'avenir. Je m'en fiche. J'ai toujours adoré ce cirque et je sais que toi aussi, tu l'adores. Mais Zoé, tu t'y connais. Il te faut du temps pour accepter. Je comprends. Mais en attendant, nous, on va s'éclater. Ouais. J'arrive toujours pas à croire qu'elle soit partie. Je ne sais où. Alors, qu'elle pourrait être avec... Brock? Monsieur Woodley, c'est pas... Je voulais vérifier que votre... Que mon fauteuil est confortable, j'imagine? Oh, il l'est. Ce cuir de Corinthe qui caresse vos petites fesses. Le contact du cuir est à la fois chaud, doux et... Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Perturbant? Vu que Zoé a jugé bon de m'abandonner, j'ai pensé à toi pour me succéder à la tête de l'entreprise. Et si on essayait baba, gauche, droite, BA? Je sais pas, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Elle, maigrichon! Woodley aurait besoin que les livres de compte soient à jour pour 13 heures. Quoi? Qu'est-ce que j'y connais, moi, à la compta? Absolument rien! C'est bien pour ça que c'est drôle, tu trouves pas? Non. Ah bon? Non, c'est pas drôle. T'aimes pas quand je suis près de toi? Je suis pas fan de ton haleine. Ah non? Brock, c'est trop là. Bon, allez, amuse-toi bien. Je te laisse planter la compta et ruiner la boîte. C'est ce qui va se passer, vu que tu connais rien. Je vous ai préparé votre café, monsieur Woodley. Merci, c'est très gentil, Brock. Par tous les saints Huntington! T'as pas fini la compta? Quoi? Mais je viens juste de... Je suis dessus, monsieur. Disons que c'est assez compliqué. Compliqué? C'est que des maths! Une règle à calculer, les coordonnées lunaires, un sandwich au jambon, et le tour est joué! Je crois que vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne. Zoé faisait ça les doigts dans le nez sans en faire un drame, mais elle a choisi de vivre dans un cirque. Et me voilà coincé ici avec toi, cornichon incapable! J'ai réussi!
J'ai enfin trouvé les bons réglages. Vous êtes toujours sur vos idioties ridicules. Goûtez-y rien qu'une fois, Monsieur Woodley, s'il vous plaît. Hors de question que je mange ça, même si ma vie en dépendait. Et tu vas y goûter, Huntington. Moi? Mais vous venez de me dire de Owen, finir... Je t'en prie. D'accord. Mais... Waouh! Mais c'est délicieux, j'adore! Ça a le goût de spaghetti bolognaise. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment bon. Je le savais! Ah, c'est même carrément... Hein? Non! Qu'est-ce qu'il a au visage, Binkley? Je vais trouver une solution. Ah, bande d'incapables! Je suis entouré de cornichons incapables! Coucou. Pourquoi tu rentres si tard? Mackenzie est déjà au lit. Désolée, je me suis fait embroquiller. Ouh. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Cette odeur? Ça sent... J'en sais rien. La barbe à papa? Peut-être bien. Oh, c'est possible, non. J'ai travaillé au cirque toute la journée. Non, non, t'essaies de m'attirer, manipulatrice. Non. Avec non. Cette bonne odeur. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Cette merveilleuse odeur de barbe à papa. Pourquoi je te ferais sentir de la barbe à papa? Parce que tu es sournoise et diabolique. Tu manques beaucoup à Mackenzie, tu sais. Elle veut que tu viennes à l'inauguration demain. On a travaillé dur toutes les deux. C'est important pour elle, chérie. Je sais, j'adorerais venir. Papa? Ben alors, mon ange? Qu'est-ce que tu fais debout? J'ai peur là-haut. Peur de quoi? Des monstres. Allons jeter un œil à ces monstres. On y est. Alors, où sont ces monstres? Ah. T'inquiète pas. Je monte la garde. Je veux pas, papa, papa. Owen? Oh, bonjour, petit bébé ours. Oh, tu sais quel jour on est? C'est le grand jour. Tu vas venir? Je manquerai ça pour rien au monde. Moi, j'adore le cirque, le cirque, le cirque, le cirque, le cirque, le cirque, le cirque. Owen? Papa, le cirque. Zoé,
C'est toi qui as fait ça? Pas toute seule. J'ai eu un peu d'aide. Aide-moi! Oui, mon amour, tu m'as bien aidée. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Il y en a encore pour longtemps. 5 minutes, c'est déjà trop. Moi, je croyais qu'il y aurait des animaux, c'est nul. Ils sont où, les animaux, maman? Ah, t'as vu, c'est trop mort. Oh, ouais, grave. Oh, regarde-moi ça, grave. Arrête, c'est trop nul. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Parfait, ils détestent tous. Je dirais pas qu'ils détestent. Ils détestent tous. C'est la mouise, c'est la mouise. Ils s'en fichent des acrobates. Ils s'en fichent des clowns. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir comme avant les fabuleux animaux de Buffalo Bob. Oh, eh, c'est mon tour. Oh, bon spectacle, les enfants. C'est parti! Attention, mesdames et messieurs, accrochez-vous, car voici l'heure venue pour l'homme canon d'entrer en piste pour défier la mort. Ils sont pas faciles, hein? L'homme canon va entrer dans sa machine infernale pour défier la mort! La mort! Oui, la mort! La mort! La mort! La mort! La mort. Hein? L'homme canon! Oh. Arrêtez, vous avez pas le droit de vous moquer comme ça! On veut voir les animaux, où ils sont? Les fabuleux animaux, c'est ça qu'on veut voir! Les animaux! Les animaux! Les animaux! C'est une catastrophe, faut que je fasse quelque chose. Hein? Mais quoi? Non, 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 mon château. Je suis pas un artiste, moi. Je peux pas... Animaux, papa, animaux! Les animaux! Les animaux! Les animaux! Les animaux! Hein? Vite, vite! Le numéro suivant, allez! 1 minute, où ils sont? Où sont mes acrobates? On a peur, Chesterfield. Non, non, en piste, en piste, en piste, en piste, en piste, en piste! Chesterfield? Owen! Hey. Mais qu'est-ce que tu fais dans les loges? Je me suis dit que je pourrais donner un coup de main. Ou un coup de sabot. Petite question, t'es sûr qu'il n'y a aucun risque? Absolument. Non, parce qu'on dirait pas. Ton oncle faisait ça 10 fois par semaine. Et ça, c'est quoi? C'est ça, ouais. Tu veux me faire croire que je dois atterrir là-dedans? Oui. On dirait un bocal à poisson. Détends-toi, canasson. Non, désolé, je saute pas. Je vais mourir. Qui a dit ça? C'est scientifique. Un cheval de 150 kilos qui atterrit dans un bocal à 100 à l'heure, ça fait... Mais non, tiens, flippette, prends ça. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Une truite? Ou alors un saumon? Super. Ou alors un poisson rouge? Quoi que ce soit, c'est délicieux avec du beurre persillé. Hé, hey, mais qu'est-ce que je suis censé faire avec... Hein? Oh. Maman? Ça va aller pour papa cheval? Oh, oui, bien sûr, chérie. Je suis sûre que ça va se passer comme sur des roulettes. Ça fait partie du spectacle. Mesdames et messieurs, vous les avez réclamés, les voici. J'ai le plaisir de vous annoncer le grand retour des fabuleux animaux de Buffalo Bob. Sous vos yeux, Bouton d'or va s'élancer. Bouton d'or? Ah oui, j'ai décidé de t'appeler comme ça. Non, t'aurais pas pu trouver un nom qui en jette. Genre quoi? Majestique? Non. Gros dada? Ok. Tornado? Bon. Stop, Luke Skywalker? Bouton d'or, ça ira. Comme je vous l'annonçais, Bouton d'or va s'élancer de ce plongeoir situé à plus de 30 mètres de haut pour atterrir dans un bocal à poisson. Tu veux que je te dise? J'ai un grand doute quand on va... À gauche, à gauche, je dis à droite, désolé, à droite, à droite. Le grand Zucchini a encore réussi. Quoi? Applique en vitesse. Pardon, petit bouffon. Homme de main. Je ne suis pas ton homme. Cause I'm having a good time. Having a good time. Shooting star leaping through the sky. Like a tiger defying the...
Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés à la fin de notre représentation. Rendez-vous la semaine prochaine. Oh non! Ne criez surtout pas ou vous serez dévorés. Le puissant tigre du Bengale est l'un des prédateurs les plus redoutables de la planète. Ses longs crocs acérés vous lacéreront la chair et vous broieront les os. Oh, mesdames et messieurs, retenez votre respiration. Je crois que ce félin féroce vient de choisir sa nouvelle proie. Coucou, chaton. Coucou, papa. Tu viens t'amuser un peu? Mmh. Oh, regardez! Cette petite fille n'a pas peur! Elle a apprivoisé la bête sauvage! Au galop, monsieur Tigre, allez hop! Mesdames et messieurs, la petite Mackenzie Huntington est la reine du cirque! Tu as été fantastique, mon grand. Et rien de tout ça n'aurait été possible sans toi, Zoé. Chérie, tu avais raison. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que tu avais raison et... Ah, quoi? Je suis pas sûre d'avoir entendu. J'ai dit que tu avais Est-ce raison. Est-ce que tu pourrais répéter encore une fois, que s'il tu te plaît? Avais... Ah, d'accord. Très drôle. On pourra recommencer? Oui, on pourra recommencer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je vais donner ma démission à Monsieur Woodley dès demain à la première heure. Parce que ce cirque, c'est chez moi. Et parce que vous êtes ma famille. Les Huntington sont de retour dans le monde du cirque. Ouais! Vous avez entendu le patron? C'est parti! Les acrobates, je veux plus de paillettes sur vos justes corps. Les clowns, vous allez me cirer vos chaussures. J'ai 52 jusqu'à ce que je vois mon nez rouge dedans. Et toi, l'homme canon? L'homme canon! Oh. Essaie de rester loin des objets tranchants. L'homme canon! Demain, Zucchini, tu lui voleras la boîte de biscuits quand il sortira de son travail. Il sera seul, insouciant comme un enfant, et vulnérable à souhait. Démissionner? Tu peux pas démissionner! Qui va goûter les biscuits pour chien? Demandez à Brock. Tu as détruit toute ma vie! Tu m'as pris ma fille chérie, et maintenant elle est je ne sais où, à passer son temps déguisée en clown, ou en cheval, ou en je ne sais pas quoi, comme font les saltimbanques! On donne de la joie, Monsieur Woodley. Notre métier apporte du bonheur. Écoutez, Zoé est à peine à 10 minutes d'ici. Vous pouvez venir la voir quand vous voulez. Moi? Qu'est-ce que j'irai faire au cirque? À vous de voir. Mais Mac et Zoé seraient contentes que vous veniez.
Pense à ta famille, Owen. C'est ce que je fais, Monsieur Woodley. À toute ma famille. Ouais! C'était trop stressant. Et trop long. Oh, j'ai adoré. Tiens, tiens. Alors comme ça, tu retournes dans ton cirque. Je savais que tu nous lâcherais. T'es qu'un lâcheur. Tu es entouré de lâcheurs, une colonie de parasites lâcheurs. Ou un truc dangereux. Exactement, je suis Owen le lâcheur. Je trouve ça dégoûtant. Excuse-moi. Bonne continuation. Des biscuits. Non. Mais ça te dérange pas si j'y goûte. Non, si, arrête, Brock, crois-moi. Regarde un singe. Non. Arrête de geindre, Huntington. Moi aussi, j'ai le droit de faire des singeries. Oui. Je fais des arrête, singeries. Brock. Abruti. Je suis devenu un singe. Pour être exact, tu as les fesses bleues, donc tu es un mandrille. On dirait un babouin, mais non. J'ai les fesses bleues. Non, attends, Brock, non. J'ai les fesses bleues. Un babouin. Monsieur Woodley. Oh, un babouin qui parle. Un lion. Rends-moi mes biscuits. Un lion qui parle. Et voilà. Ah, tu n'as plus aucune excuse, Binkley. Cette fois, les biscuits pour chiens vont être absolument parfaits. Un babouin. Qu'est-ce que tu m'as fait, Tintin? Un babouin qui parle. Un lion. Tu l'as cherché, Brock. Fallait m'écouter. Un lion qui parle. Je suis coincé. Non, je viens. Sors de là. Sors de là, mauviette. Je venais de régler cette machine. Oh, c'est chaud, c'est chaud. C'est super chaud. Rends-moi mes biscuits. Owen. Oui, pardon pour le bazar, Binkley. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Brock a volé mes biscuits magiques et il s'est transformé en babouin. Mais il va... Il s'est... Quoi? Je t'expliquerai plus tard. Des biscuits qui transforment les gens en animaux. Je veux pas avoir les fesses bleues. Je peux te rendre ton aspect d'origine si tu me rends la boîte. Non, je te rends rien de tout. Telle une ombre dans la nuit, le grand zucchini s'approche de sa proie grâce à son instinct de prédateur. Furtif, il... Un babouin! Si vous voulez bien m'excuser, c'est l'heure du dodo. Pour Brocky, le babouin. Ça a été rudement facile, dis donc. Encore une victoire pour Zucchini, le magnifique! Quelle fougue, quelle audace, quelle musculature! Un lion! Oh, tu vas voir. Et le grand Zucchini fait un retour triomphal. Ne me dis pas que c'est mon neveu. Tout à fait. Excellent. Ce n'est pas ton neveu. Si ce n'est pas mon neveu, pourquoi me l'as-tu ramené ici, espèce de gros nigobon à rien? Voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, pauvre idiot sans cervelle? Ils sont tout cassés. Une seconde. Dans l'autre main, qu'est-ce qu'il y a? Très intéressant. L'ingrat, après tout ce que j'ai fait pour lui, j'aurais jamais dû laisser ma petite Zoé chérie épouser ce saltimbanque. Alors que quelqu'un comme Brock, ça, c'est un homme qui a de l'ambition. D'ailleurs, il est passé où encore? Brock!
Winkley, Brinkley, Barkley, Brinkley, Bidule. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu Brock? Non. Monsieur... Où est-ce qu'il est passé? En fait... Brock! Il doit pas être loin. Brock! Monsieur Woody! Je dois absolument vous voir, c'est très sérieux. Et je suis venue jusqu'ici exprès. Alors vous allez m'écouter, pour une fois, vous allez m'obéir. Obéir? C'est ça, obéir. Donc tu vas aller poser tes fesses et écouter sans mouffeter. C'est clair, bonhomme? Dors bien, chérie. Désolée. Coucou. Oh mon Dieu, mon cœur a failli exploser. Et c'est flippant, j'avoue. Pardon. C'est rien, transforme-toi et viens me dire comment mon père a réagi. Tu lui as dit? Oui, ça y est, j'ai quitté la société, tout est réglé. Oh, je suis fière de toi. Merci. On va nager dans le bonheur. Mais disons que j'ai perdu le biscuit, Owen. Tu as quoi? Il est forcément quelque part là-dedans. Je les ai vérifiés un par un. Y a rien. Crois-moi. Et c'est ça. Quoi? Non, ils sont... Peut-être qu'il y a trop de biscuits dans la boîte. Si tu en manges quelques-uns, on y verra plus clair. Celui-là. Rappelle-toi, la boîte reste toujours pleine. Peut-être qu'il faut les manger plus vite. Non, mange plus vite. Plus vite. Zoé, stop, il est plus là. Regarde. Les biscuits animaux réapparaissent sans arrêt. C'est pas le cas avec les biscuits humains. Il n'y a qu'un exemplaire de cela et le mien a disparu. C'est fini, Zoé. Non. Je refuse de baisser les bras. Il y a forcément un moyen de te faire redevenir humain. Zoé... En attendant, on va faire avec. On va tous réapprendre à vivre. J'imagine que ça va pas être si difficile. I must have walked on the ladders past the black cat. Broken on my mirrors cause my luck's so bad. Been rubbing on a rabbit foot, knocking on wood. Hanging up horseshoes, trying to be good. I know it can't last forever. Right now it seems like it'll never release me. It's just one of those days, one of those days, one of those days. I could fly like a bird from the hills to the sea, but there's only one place that I want to be. Could be as wise as an elephant, strong as a bear, but if I can't hold you, well then I really don't care. I'm not a superstitious man. Hanging heavy on my head. Release me. It's just one of those days. One of those days. It's just one of those days. One of those days. It's just one of those days. One of those days. One of those days. All my luck's got a chance. Je tiens ceci pour vrai, quoi qu'il puisse arriver, et je le sens comme tel quand je souffre. Ben qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Quoi? T'as mangé une banane pas fraîche? Non, je suis un peu... Écoute, mon grand, t'as dû supporter beaucoup de choses ces dernières semaines, je le sais. Tu n'es plus humain, c'est dur, tes pattes ont pas de pouce opposable, tu laisses des poils partout, tout le monde te... Tu m'aides pas, là. Hein. Non, mais laisse-moi finir. Tu laisses des poils partout, tout le monde te repousse. Mais vois le bon côté des choses. Zoé et toi, vous avez redonné vie au cirque. Notre famille est à nouveau réunie grâce à vous. Des tas de familles sont à nouveau réunies. Ici, les enfants et les adultes se retrouvent. Ils rient autour d'une barbe à papa hors de prix. Allez, c'est énorme ça, reconnais-le. Sois fier de toi, mon grand. Tu répands le bonheur sur le monde. C'est ce qu'il y a de plus important.
Les clowns ont toujours été les rois du mensonge. Horatio, mais qu'est-ce que Il faut qu'on parle, toi et moi, petit. Très vite, alors. Je te promets que ce sera rapide. C'est vrai. On est revenu au temps du grand Buffalo Bob. Les extraordinaires, merveilleux animaux sont de retour. Je vois que tu as gardé le nom de mon petit frère défunt. C'est normal, c'était son cirque. Du coup, qu'est-ce que tu veux, Horatio ? J'ai une proposition à te faire. Je doute que tu aies quoi que ce soit qui puisse m'intéresser. J'ai ici ta seule chance de pouvoir redevenir humain. Quoi ? C'est... C'est... Tout à fait. Mon biscuit, donne-le-moi ! Attention, il risque de finir en miettes. C'est ce que tu veux. Non, 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 je t'en supplie. Qu'est-ce que tu veux en échange ? Mais mon garçon, je veux ce qui depuis toujours est à moi. La gloire. La fortune. Et le cirque. Quoi ? Quand j'aurai ces biscuits magiques. Parce que tu les veux aussi ? Ce cirque ne vaut rien sans ces biscuits, tu le sais. C'est hors de question. Je ne te ferai cette offre qu'une seule fois. Si tu la refuses, je jure que ce biscuit finira bel et bien en miettes. Redevenir humain ? Pense à ta famille, Owen. Ma famille ? Oui, ta famille. D'après toi, qu'est-ce qu'elle choisirait ? Ma famille. Crois-tu qu'elle veuille d'une bête sauvage en guise de mari ou de père ? Ah, ma famille. Oui, ta famille. Alors, cher neveu, marché conclu ? Non. Excellent ! Hein ? Quoi ? Je refuse. C'est absurde ! Tu seras une bête hideuse et répugnante le reste de ta vie ! Que ce soit clair, si je dois rester un animal pour que ma famille soit heureuse, je le serai. Oh. Sans hésiter. J'accepte d'être un gorille, un cheval ou un rhinocéros, et je serai toutes les bêtes sauvages et hideuses du monde, si c'est comme ça que ma famille est unie et heureuse. C'est ce que je craignais. Tu ressembles terriblement à feu, mon frère. C'est si triste. Tu sais ce qu'on dit, aux grands mots, les grands remèdes. Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Apparemment, il n'est pas nécessaire d'avoir l'intégralité du biscuit d'un animal pour obtenir l'essentiel de ses attributs. Rends-moi ça! Merci. Non! Il est temps de sceller notre pacte, cher neveu, si tu es d'accord. Lâchez-moi! Après tout, nous avions conclu un marché, et je préférerais ne pas traiter avec un gorille de plus de 400 kilos. Je l'avoue, je préfère traiter avec le pathétique freluquet que tu es. Bah, alors pourquoi tu cries comme ça? Horatio! Owen! Tu es redevenu toi! Votre attention, acrobate, jongleur, machiniste, clown. Je ne supporte pas ces idiots. Laissez-moi vous annoncer la saisie immédiate de ce cirque par votre serviteur. De ce fait, je m'empresse de tous vous virer. Rame canon ! Bien joué, l'homme canon ! Prenez tous un biscuit ! Non ! Ils ne doivent pas le manger ! C'est tout ce que tu sais faire ? Hey, Stabby, à mon tour ! Excusez-moi. Pourquoi vous m'avez traîné ici ? Vous savez très bien ce que je pense de... Oh la vache ! Vous avez vu ça ? Le truc en forme de tortue lapin s'est fait calpiter par l'ornithorynque ! Oh, quel fessé mémorable ! C'était chaud patate. Horatio, j'ai la boîte ! Je l'ai.
pas du jeu. Mais je peux pas rester avec toi. Bande d'andouilles! Regardez-vous, un hippopotame, des girafes, des singes. Berk! Vous n'avez aucune ambition. Vous pourriez créer quelque chose de nouveau et révolutionner le monde. Vous utilisez les biscuits pour amuser les gens, alors que moi, Horatio, j'ai l'intention de les utiliser pour dominer le monde. Je suis Horatio, la chimère. Je suis un dieu sur terre. Horatio, mon frère, arrête. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je t'en supplie, Horatio. Oncle Bob? Robert? C'est de la folie, je t'en prie, arrête. Talia? Mais je vous croyais morts tous les deux. Pas tout à fait. On est coincés. On ne peut plus reprendre forme humaine. Le biscuit de Talia et le mien ont été détruits dans l'incendie que tu as déclenché. Je ne voulais pas, tu le sais. Oui, je sais. Horatio, ce qui est fait, est fait. On ne change pas le passé. Regarde autour de toi, mon frère. C'est comme ça que tu veux que les autres te voient. C'est comme ça que tu veux vivre. Tu veux passer le restant de tes jours dans la peau d'un monstre. C'est toujours mieux que dans la peau d'un homme usé ou dans la carcasse d'un vieux chien, non? Ce dont je suis sûr, Horatio, c'est que tu vaux beaucoup mieux que ça. Alors tu n'es qu'un fou! Non! L'homme canon, j'ai besoin de toi! L'homme canon! Ok. Ne le croque pas avant que j'allume le canon. L'homme canon! Prêt? L'homme canon! L'homme canon? L'homme canon! Maintenant! Ça, c'était pas prévu. Courageuse Mackenzie, où est Titi? Ça a assez duré. Sens-tu la futilité de tes efforts et de ton combat? Sens-tu l'inéluctable destruction de tout ce que tu as connu et aimé et approché? Ta résistance est vaine. Ah !
tout espoir. Owen. Mackenzie. Zoé, regarde. Zoé. Mais où est-ce qu'il est ce biscuit? Zoé. Je l'ai. Zoé. Ne t'approche pas. De ma famille! Chesterfield! Maintenant! Non! Non! Soyez maudits! Je suis Horatio P. Huntington! Vous ne me réduirez pas au silence! Je me vengerai! Je vaincrai! Je jure que vous vous prosternerez tous devant moi! Ceci pour vrai, quoi qu'il puisse arriver, et je le sens comme tel quand je souffre le plus. Mieux vaut avoir aimé et perdu ce qu'on aime que de n'avoir jamais connu l'amour. L'homme canon ! L'homme canon ! L'homme canon ! L'homme canon ! Comment on va pouvoir faire aussi bien à chaque spectacle? Ça, j'en ai aucune idée. L'homme canon! Le grand zucchini, alors? Bah comment ça, et le grand zucchini? Retransformez-moi! Ah, il faut que je vous explique. Vous avez mangé des morceaux de gâteau, crétin que vous êtes. Ce qui signifie qu'il n'y a que des petits bouts de vous dans la boîte. Vous saisissez? Ça va être un peu long de retrouver ce qui est acquis. Vous voulez avoir ses bras et ses jambes à la place des vôtres? Surtout sur ce petit corps. Ok, moi je suis d'accord. Je suis pas con. Vendu. Prenez le temps qu'il faut. Le grand zucchini peut attendre. Comment osez-vous? Vous savez ce que je suis? Non, qui je suis? Laissez-moi sortir! S'il vous plaît. Ces lèvres m'avaient manqué. On a réussi, Zoé. Oui, je sais. J'aurais tellement voulu que mon père... Que ton père quoi, chérie? Papa. J'ai vu ce que vous avez fait tous les deux. Vous avez été héroïques. Et quelle symbiose! Je vous jure, cette transformation en animal, c'est tout bonnement fantastique. Owen,
Je t'ai mal jugé et j'ai pas toujours été très juste. T'es pas un cornichon incapable, bien au contraire. Et toi, Zoé, tu es vraiment une femme incroyable. Mais ça, je le savais déjà, je l'ai toujours su. Je t'aime, papa. Papy ! Viens ici, mon petit singe. Je t'ai vu, t'as été génial. Ça, c'est parce que je fais partie du cirque. Ah oui, tu vas devenir une star. Viens te débarbouiller. À part ça, cette chère Binkley ici présente est un vrai génie. Tu avais tout à fait raison. Elle a créé quelque chose d'absolument fabuleux. Binkley était effectivement un génie. Attendez un peu de voir ce qu'elle nous a inventé. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va pas tarder à le savoir. On vient juste de les mettre en vente. Qu'est-ce qu'on a mis en vente? Tu te rappelles quand les biscuits donnaient de drôles de couleurs? Comment oublier? Comme si j'avais vomi sur tes chaussures. Figure-toi que Binkley a trouvé comment faire de cette expérience malheureuse un véritable succès commercial. Oh, et ça fait quoi exactement? Tais-toi et observe. Ils adorent ça! Regarde-les, ils s'éclatent comme des fous! Mais comment ils retrouvent leur aspect? Comme ça. Waouh. Ouais. Je crois que c'est mieux si on évite de donner l'info aux parents. Ouh, il était balèze celui-là. Mais c'était marrant. Waouh, ça t'amusera toujours. Tu changeras jamais. On va devenir riche. Partenaire. Partenaire? Ouais. En général, on me choisit comme partenaire dans des jeux, mais jamais dans le travail. Je sais pas quoi dire. Bravo, Mackenzie la magnifique, tu as ça dans le sang, dirais. Papa, papa, tu m'as vu sur le poney? Bien sûr, tu as été fantastique. C'est Tata Talia qui m'a appris. Dans peu de temps, elle sera une star du cirque. Tout comme tu l'étais, ma chérie. Waouh, tu es envoûtante, ma magnifique princesse gitane. Reine. Ouais. Tu veux savoir ce que te réserve l'avenir? Je crois que je le connais déjà. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Une vie éternellement heureuse. Owen. Allez en piste! C'est parti, mettez-vous en place et chérie, tu es le premier à entrer. Mesdames et messieurs, bienvenue au grand spectacle des extraordinaires merveilleux animaux de Buffalo Bob! Ça alors, c'est... nouveau. Nouveau et dangereux. Le danger, c'est ce qui donne du goût à la vie, non? Mais qui êtes-vous? Un gars que j'adore. Préparez-vous à vivre une expérience unique et merveilleuse. Allez, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable. Hé, évite de tout brûler, fais attention. Préparez-vous ce soir à vivre une expérience où tout est merveille et magie. Plan on separate teams. Maybe I found someone I really need. Well, baby, you would, but I'm not impervious to what you do to me. You help me find my sense of urgency. And time flies. I wish I would have met with someone psychic. Cause my, it took some time for me to realize. That this is the note, but baby, as you will see, Mr. Gossie ain't got nothing on me. Like going alley when hurry that's alley, we knew that this had to be the kind of love that lasts eternally. And I know that some will say that it's an and harder.
past, babe. Cause the future comes fast, yeah.